On est sur le tournage de Magic à Vilnius avec toute l'équipe Afflelou et Alice Taglioni. Et c'est un moment extrêmement magique. J'ai hâte que vous découvriez cette nouvelle campagne qui, je pense, va être très impactante et va nourrir notre marque de manière exceptionnelle. La Magic, c'est un produit qui a beaucoup de succès en France, mais dans tous les pays de l'enseigne. C'est difficile de trouver un produit si innovant qui plaît dans tout le monde, qui attire tellement du monde dans nos magasins, Espagne, France, Portugal, Belgique, Suisse, partout. Magic, un produit exceptionnel qui vous appartient, dont on n'aurait jamais pu imaginer un tel succès. Magic, c'est 2,5 fois plus de ventes que Ray-Ban, et ce n'est qu'un début. La Magic, c'est le produit, l'innovation, le prix, la communication, le marketing, bref, tout l'ADN d'Afflelou. Afflelou, c'est Magic, Magic, c'est Afflelou. Donc moi, je suis heureux de vous présenter Alice Taglioni, que vous connaissez sûrement. Il n'y a pas besoin de vous la présenter, mais nous avons décidé de travailler ensemble pour quelques années. Elle devient quelque part l'égérie de notre marque et donc on a décidé d'utiliser l'image d'Alice pour parler de la Magic, pour vendre la Magic en pub sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Alice Taglioni. Je suis très très heureuse parce que maintenant je vais travailler pour Alain Flelou. Tout de suite, eu cette idée d'un jeu de miroirs. Et je me suis dit tout de même, ce métier du verre, quand même très beau, de la transparence, etc. Et puis cette histoire de femme qui change d'apparence, etc. En scène là-dedans, et puis en plus, Alice, c'est Alice, donc Alice au pays des merveilles, Alice au pays des miroirs. J'ai pensé, mais ce film, c'est l'illustration de deux vers d'un poème de Verlaine, Mon rêve familier. Et je me suis dit, et je rêve de cette femme qui est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Entre l'image, le son et l'histoire, tout doit être clair. Il fallait que ce soit magique. C'est magique, vraiment. Et tout le film tourne autour de la notion de la magie. Mais je trouve qu'il y a une adéquation. J'espère que vous la trouverez, vous la vérifierez. Entre notre activité, qui est dans l'optique, la transparence, le miroir, la magique, qui va bien être montrée et démontrée. Et Alice qui est superbe, qui est sublime.